Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons découvrir ici risque de vraiment vous étonner. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont prêts à faire pour le succès ou pour de l'argent. Ah, écoutons ça. Et une autre histoire qui s'est encore produite chez nous, qui avait vraiment secoué, hein, je dis ça avait secoué. C'était arrivé jusqu'au sommet de l'État. C'était une histoire vraiment très compliquée. C'est l'histoire d'un monsieur qui était vraiment cadre dans les sociétés pétrolières, là, que je vais taire le nom. Il était vraiment un cadre. Il avait sa femme. Et avec sa femme, il n'avait pas eu d'enfant. Il était bruyant au niveau de son travail. Et la femme, elle était heureuse. Ils avaient l'argent, ils avaient les moyens. Partout où elle voulait partir, elle partait. Elle était heureuse dans son ménage. Ce qui se passait dans ce couple-là, c'était quoi? La femme, elle avait un totem que sa famille lui avait donné. La famille lui avait donné ce totem-là afin que elle puisse briller, elle puisse trouver un homme qui est assez bon, qu'elle ne doit pas vivre dans la pauvreté, quoi. Voilà, c'était ça au fait l'objectif principal de ce totem-là. Donc elle devait briller partout, elle devait passer, elle devait briller. Maintenant, quand elle faisait connaissance avec le monsieur, en ce temps-là, le monsieur était qu'un simple étudiant qui venait de finir. Voilà ses études, il était en train de chercher le boulot. C'est là où la femme lui proposa, ben, tu utilises ça jusqu'à ce que tu trouves un bon boulot, que les choses aillent bien et tu me remettras. C'est comme ça le monsieur prend le truc, le totem de la femme, commence à utiliser jusqu'à y trouver un emploi dans la société pétrolière que je venais de dire là. Il trouve le boulot, il était aimé dans son boulot. Donc il partait de promotion en promotion. Il était tellement brillant, sollicité dans l'entreprise. Même leur chef, leur employeur, donc c'était un monsieur qui était tellement sollicité. Il avait fait fortune en moins de temps. Il était déjà bien positionné. Il avait beaucoup d'argent, il était tranquille et tout. Tout se passait bien, tout se passait bien. Jusqu'au jour que le blanc avec qui l'employeur qui l'employait constate que sache que le gars il avait un truc. C'est là où son employeur lui demande que s'il pouvait travailler ensemble avec ce truc-là. Lui également il dit d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, ils ont commencé à travailler avec son totem-là. La belle famille commençait à mettre la pression sur leur fille. Il est temps aussi, comme ton mari, comme ton foyer, ça va, tu es heureuse et tout, tu as tout ce que tu veux dans ta vie, tu dois remettre ce totem-là dans la famille. Comme ça, on donne ça à une autre personne qui pourrait également faire la même chose pour devenir aussi ce que toi tu es devenu là. Quand elle s'approche de son mari, elle demande à son mari, remets-moi le truc, je veux remettre à ma famille. Le mari ne fait que lui faire marcher. Je te donne ça demain, je te donne ça après-demain. Les mois passent, les années passent. Et bizarrement, le gars avait trouvé une tisa. La tisa là, il faisait tout pour la tisa et tout comme ça. Quand la femme avait su, c'était la guerre dans son foyer. C'était la guerre, c'était les menaces. Donc la belle famille menace leur fille. Excusez-moi, la fille menace le mari. Le mari également dit que je veux donner. Accorde-moi le temps. La femme dit, toi et moi, on s'était pas entendu comme ça. Si je t'avais donné ce truc-là pour que tu puisses bien gagner et tout, et là tu as gagné ta vie, au lieu de rester avec moi, tu es parti encore chercher une autre femme. Moi, je ne peux pas supporter ça et tout et tout et tout et tout. Quand la famille de la fille là avait su que de la femme plutôt avait su que le gars avait maintenant une femme dehors et tout. Allez voir, c'était les attaques sur leur fille jusqu'à cette dame-là. Un bon matin comme ça, là, elle meurt. Quand elle décède, on enterre. Même avant d'enterrer, la belle famille était venue demander au garçon, au monsieur-là, de remettre le totem. Tu dois remettre le totem-là parce que ça appartient à la famille.
Le monsieur leur dit que moi j'ai pas votre totem. J'ai pas votre totem. Demandez à votre fille, c'est vous-même qui avez tué votre fille et tout comme ça, moi je suis pas concernée, j'en ai pas. Donc, cette veille-là, c'était les problèmes, c'était la guerre et tout comme ça. Il s'était pas entendu avec la belle famille. Malgré ça, comme on pouvait pas laisser cette dame-là à la mort pendant des mois, on l'avait finalement enterrée. La belle famille était rentrée. Quand la belle famille est rentrée, une semaine après l'enterrement, bizarrement, dans le quartier, on commençait à voir le fantôme de cette femme-là. On la voyait un peu de partout. Tu sors la nuit, tu la vois. Les jeunes qui sortaient souvent, qui rentraient un peu tard, là, la croisaient dans les ruelles, dans les rues, dans le quartier. C'était devenu un peu compliqué. C'est comme ça, le chef de quartier était venu voir le monsieur en lui demandant « Tu dois faire quelque chose concernant le fantôme de ta femme. » Parce qu'elle est en train de hanter. Elle ne vient pas hanter toi seul, mais elle hante maintenant tout le monde. Donc tu dois faire quelque chose, tu dois chercher comment faire pour bloquer cet esprit-là. Bon, on ne sait pas ce que le monsieur avait fait. Ce qui est sûr, par la suite, le quartier, en tout cas, il y avait maintenant la sécurité, il n'y avait plus les histoires. Non, on a vu une femme comme ceci, comme cela. Tout était rentré dans l'ordre. Maintenant, un jour, le papa là, il avait un puits dans sa parcelle. Un jour, deux jeunes hommes qui faisaient un peu dans tout. Un, il était endeuillé. Il avait deux. Il devait donner une cotisation de 12 500. Il n'avait rien. C'est comme ça, dans leur promenade dans le quartier, ils croisent le monsieur, le papa là. Le papa là leur dit, j'ai mon puits qui doit être, que j'aimerais qu'on nettoie. Lui, l'autre dit, on peut le faire. Celui qui est en deux là aussi dit, oui, on peut le faire. Le papa l'a dit, ok, ils entendent du prix et tout. Ils rentrent dans la parcelle. Quand ils entrent dans la parcelle du papa là, le papa leur dit, ne rentrez pas d'abord, attendez mon signal. Quand je vous dirai, oui, vous pouvez rentrer dans le puits, en ce moment-là, celui qui va rentrer pourra rentrer. Mais attendez-moi. Le papa est rentré dans sa maison. Les deux sont restés là. Tellement celui qui était en deux là, il avait besoin d'argent. Il a dit, moi je ne peux pas attendre parce que chaque minute qui passe, ça ne m'arrange pas. Le vieux là, il est parti mettre du temps là-bas. Moi, je veux commencer le travail. Son ami lui dit, on attend seulement. Lui dit, je ne peux pas attendre. Je veux commencer le travail. Toi, comme toi, tu as pour toi peur là, tu restes de là, moi je vais rentrer à l'intérieur, commencer le nettoyage. Ami dit ok, il n'y a pas de souci, il rentre. Quand il rentre à l'intérieur, quelques minutes après, le papa la sort, il trouve qu'ils avaient déjà commencé le boulot. Le papa leur dit, mais je vous avais demandé de m'attendre, pourquoi vous ne m'avez pas attendu? L'autre l'a dit, ah non papa, nous on est pressés, on court derrière le temps et tout. Le papa l'a dit, ah ok, d'accord, quand vous avez déjà commencé, finissez alors. C'est comme ça, il avait fait son boulot, il avait fini, il a nettoyé tout l'eau qui était à l'intérieur, là-bas il était fini, il a fait le nettoyage et tout comme ça. C'était maintenant l'heure pour lui de ressortir du puits. Quand il sort du puits, quand il veut se monter, il veut remonter, il n'arrive plus. Il y a un de son pied gauche qui est bloqué à l'intérieur. Il dit à son ami lui dit, mais sors man, on gagne en temps. Il dit, mais je n'arrive pas, mon pied gauche est bloqué. Son ami dit, ah, toi aussi arrête tes blagues là. Il dit, mon pied gauche là est bloqué. Ton pied gauche est bloqué comment? On lui envoie encore d'autres fils pour dire, le jeune l'appelle le vieux. Il dit au vieux là, ah, il y a un souci ici. Il dit en bas là-bas qu'il ne peut plus ressortir. Il y a son pied qui est bloqué. Comment ça, son pied est bloqué? On tire, on envoie les fils, on envoie les cordes plutôt. Le pied là est bloqué. Ah! Les deux commencent à se poser des questions. Est-ce qu'il fait semblant ou bien? Le papa lui dit, il faut sortir de là, mon fils. Le gars en bas là-bas dit qu'en tout cas, il n'y a pas moyen pour moi de sortir mon pied. On voyait son pied positionné sur la boue comme ça là. Mais le pied là n'arrivait plus à bouger. Le pied là,
Donc, tu as l'impression que c'est collé avec le sol. C'est comme ça, son ami l'a couru vite pour aller appeler, alerter les gens. Les gens sont arrivés, ils ont constaté la situation. On envoie les cordes, on tire, on avait tout fait. Le gars, son pied est bloqué à l'intérieur. Après, vers 18h, c'est là qu'il commence à leur dire que non, il y a une femme ici dedans qui me dit pour qu'elle me libère, on doit envoyer son mari à l'intérieur ici. Donc, si vous voulez me sauver, son mari doit remplacer. Le temps qu'on cherche à gauche, à droite, comme ça, là, le papa l'avait déjà filé. On avait cassé la maison du papa, là. On avait cassé. C'était grave. Le gars a passé la nuit là-bas. Le lendemain matin, on est parti appeler les prêtres, les pasteurs, tout le monde, les féticheurs. Tous ces mondes-là qui disent ici-là que non, moi je suis le plus fort, je suis comme ceci, comme. On avait appelé tout ce monde-là. Le gars l'avait tapé plus de 5 jours là-bas. Il était bloqué, son pied bloqué. Il mangeait là-bas, il faisait caca là-bas, il faisait pipi là-bas. Il fumait à l'intérieur là-bas. Il était là debout. Mais le pieu là ne bouge pas. Ils ont fait les trucs là-bas là, pour que ça va quitter. Le pied là est bloqué. Il dit que la femme l'a dit, on doit envoyer le monsieur là à l'intérieur. On va encore trouver le monsieur. Jusqu'à ce qu'il était arrivé un peu au sommet de l'État, le maire est venu constater les faits, le préfet est venu constater les faits. Donc c'était compliqué. On envoyait un tracteur. Le tracteur est arrivé. Il a creusé. Il a creusé. Quand le tracteur arrive au niveau du pied pour creuser le bas, au fait, pour creuser depuis le bas, pour qu'on essaie un peu de décaler le pied avec le sol, les tracteurs là tombaient en panne. Plus de 3 tracteurs. Ça tombait en panne. C'était compliqué. Il avait fait toutes les cérémonies possibles, toutes les trucs de sorcellerie qu'on peut voir ici, que les gens là font ici dehors. Ils avaient fait, le pied là est bloqué à l'intérieur là-bas. C'est le 6e jour que les gens dormaient autour du puits. Il y avait tellement la foule, les gens venaient quitter donc les gens quittaient des quartiers pour venir voir ce phénomène-là. C'était vraiment une histoire vraiment rocambolesque, digne d'un film des Nigériens. C'était grave. Au fait, c'était la sorcellerie en plein jour. Si on t'expliquait, tu pouvais pas comprendre. Les gens quittaient de partout pour venir voir ce monsieur-là. Il parlait, il dormait, il demandait de l'eau et tout. Mais son pied-là ne peut pas quitter. On appelait un docteur afin qu'il vienne inciser, il coupe seulement le pied-là pour qu'on sauve le gars. Le doc arrive. Il vient avec tous ces trucs-là pour qu'il va procéder à l'opération et tout. Il arrive, il essaie comme ça là. Ça ne marche pas. Les trucs qu'on veut couper les pieds là, tout ça se gâte. Donc, en plein jour, hein, c'est pas que oh, les gens sont là, les témoins sont là. Tout ce que vous allez essayer de faire sur ce pied là n'aboutissait pas. Le gars avait fait le 7e jour. Il dormait au milieu de la nuit. Les gens dormaient. Les gens dormaient. Jusqu'à. Les gens dormaient jusqu'à un profond sommeil. Alors qu'il y avait des jeunes qui veillaient un peu et tout. Bizarrement, cette nuit-là, ils n'avaient pas demandé quelque chose. Parce qu'ils avaient l'habitude de demander, je veux boire de l'eau, je veux la cigarette. Mais cette nuit-là, les gens ont dormi comme des bébés. Ils n'avaient pas aussi demandé quoi que ce soit. C'est le matin que tout le monde se réveille et les gens qui sont partis voir en premier dans le puits constatent que le gars, il était déjà mort. Le gars était déjà mort. Et l'employeur de ce monsieur-là, il était venu proposer à cette famille-là de leur donner beaucoup d'argent.
tandis que le gars est sous le dans le puits là-bas avant qu'il ne meure. Son travail, le papa là où il travaillait là-bas, une délégation était venue voir la famille de ce monsieur-là pour leur dire, parce que les jeunes, au fait, voulaient, les jeunes voulaient vraiment qu'on attrape le vieux papa là, on lui met dans le trou pour sauver leur ami. Mais la société là où le monsieur travaillait avait intervenu avec beaucoup d'argent, en disant qu'on ne pouvait pas livrer le monsieur et tout et tout. Donc, s'il y a mort ou il y a quoi, eux, ils vont supporter, ils vont dédommager la famille. Donc, voilà comment le gars était décédé. Il était décédé. Vraiment. C'est une histoire qui nous avait secoué ici. Ça nous avait vraiment secoué. Bon, ça, c'est terrible, hein? Ouais, ouais, tu dis ça? C'est hors du commun. C'est vraiment hors du commun. Donc, ils avaient la chose du diable. Et la chose du diable les a rendus riches, mais regardez la conséquence. Nous écoutons encore une autre femme qui a une histoire à raconter. Voilà, j'ai une histoire aussi à raconter. Une histoire qui a vraiment secoué la ville d'Abidjan une année. Parce qu'à l'époque, l'histoire même est passée au journal télévisé et tout ça. Ça défrayait la chronique sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, l'histoire s'est passée à Trècheville. Il y avait des jeunes gens, c'était des bonteurs quoi. Il y avait trois jeunes gens et deux jeunes filles. Ils avaient une certaine somme dans les activités qu'ils faisaient de broutage là. Et ils sont partis chauffer, je crois que si c'est pas à Bassam, c'est à Sini. Mais en revenant à Abidjan, ils se sont arrêtés même sur la route. Ils se sont filmés en train de danser, en train de lever le champagne, tout ça. C'était la fête quoi. Et ils sont remontés dans la voiture, ils sont revenus. Maintenant, au niveau de Trècheville, la voiture dans laquelle ils étaient a été percutée par un camion, un gros camion. Il n'y a pas eu de rescapés. Ils sont morts sur le champ. Et quand on enlevait les corps, vraiment, c'était difficile à regarder. Les jeunes filles, là même, là, leurs yeux étaient ouverts. Non, c'était horrible. Il y avait un attroupement. Non, franchement, c'était terrible cette histoire. Bon, voilà, cette histoire était passée. Et à l'époque, on était à Angré. Angré, c'est un quartier d'Abidjan. À Angré, là-bas, il y avait un maître yoga. Le maître yoga, il était tellement cool. Il causait surtout avec les jeunes, tout, parce que lui-même, il était jeune aussi. Tout le monde s'attachait à lui, tout ça. Il donnait beaucoup de conseils aussi. Il orientait aussi certaines personnes qui voulaient avoir des orientations dans certains problèmes, etc. Voilà. Et les jeunes étaient vraiment attachés à lui. Donc, un jour à Angré, il y a trois jeunes gens qui sont sortis aussi, qui sont partis s'amuser un peu, tout ça. Donc, ils sont partis dans un maquis à Trècheville là-bas et tout. Et dans le maquis, quand ils étaient là-bas, ils ont aperçu deux jeunes filles qui étaient vraiment belles. Ils les ont appelées à leur table, elles sont venues, ils ont commencé à boire, ils ont commandé plutôt la nourriture. Et parmi eux, il y a l'un. Parmi eux, il y a un qui a le portable qui sonnait. Son portable a sonné longtemps. Il regarde, il voit le nom du maître. Il regarde, il voit le nom du maître. Donc, tellement que le maître yoga insistait, il a décroché son téléphone. Le maître a dit, revenez à la maison immédiatement. Et c'est ce qu'on ne fait rien de grave, on a 13, je lui dis, je ne veux pas savoir ce que vous faites, mais je vous dis à l'instant même où vous êtes, revenez à la maison. Et si vous êtes avec des amis, c'est pas la peine de venir avec les amis. Revenez directement et maintenant même à la maison. Donc comme le maître yoga, c'est quelqu'un qui fait la spiritualité, il a tellement insisté, ça a intrigué les jeunes gens. Et ils ont dit aux jeunes filles, vraiment on est désolé, on va rentrer, c'est aux gens, dès qu'ils ont dit ça. Elles se sont levées sans un mot dit. Elles leur ont lancé un regard pas possible. Et puis, elles se sont retournées, elles sont parties sans mot dit. Et même ça leur a fait froid dans le dos. Donc, ils sont arrivés à la maison, ils sont partis voir directement le maître yoga. Et il leur a dit que vous avez eu la chance. Parce que vous vous souvenez de l'accident où il y a eu trois jeunes gens et deux jeunes filles qui sont morts. Ce sont les jeunes filles là qui étaient là. Leur âme ne repose pas en paix. Donc chaque année, à la même période où elles ont eu l'accident, elles sont mortes. Elles viennent dans les environs de là où elles sont mortes. Et elles cherchent les jeunes gens. Quand elles sont invitées et que les jeunes gens ont le malheur de partir avec elles, ces jeunes gens-là font des accidents et ils meurent sur le champ.
et elle se sent un peu soulagée et retourne. Donc, c'est le sort qui était réservé à ces jeunes gens-là. Voilà un peu l'histoire. Ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne doit pas prier. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne doit pas faire la spiritualité. Au contraire, la jeunesse est très exposée. Si on, il y a un adage qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Donc, vraiment, c'était mon histoire. Cette histoire est hors du commun. Ça m'a personnellement touché parce que les gens qui sont morts loin, non loin de là où j'habite. Vous voyez, et c'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. J'ai même fait une vidéo pour parler de ça. Vous pouvez faire la recherche sur la chaîne, vous allez trouver. Mais mes frères et sœurs, savoir que ces filles qui sont mortes là sont encore ici, leur esprit sont ici, vraiment, ça fait flipper. Même quand je sors, je regarde à gauche et à droite pour chercher à savoir si elles ne sont pas dans les parages, si elles sont dans les parages. Frère, il faut les éviter comme on évite la mort. Mais oui, il faut les éviter. Ce qui est bon, ce qui est mieux à faire, je veux dire, c'est de ne pas marcher avec une personne que vous ne connaissez pas spirituellement. Si vous ne connaissez pas une personne spirituellement, il est préférable de ne pas marcher avec cette personne. Oui. Sinon, vous risquez de vous attirer trop de problèmes. Trop de problèmes. Imaginez une personne qui, quand elle marche avec un démon, l'ange de la mort qui est là-bas comme ça. Et puis, c'est une fille comme ça. Tu la vois, elle a l'argent. Mais derrière, il y a un ange de la mort comme ça. Si toi, tu regardes son argent, ou encore à sa richesse, et puis tu es venu marcher avec elle, mais qui va marcher avec toi? Ou mais qui va vous accompagner? Bien évidemment, c'est l'esprit de la mort. Même au moment donné, l'esprit de la mort va vouloir boire du vin. Et lui, son vin, c'est du sang. Mais c'est le sang de qui va boire? C'est bien évidemment le sang que va lui offrir la fille en question. Et ça sera toi. C'est pourquoi il faut vraiment faire très attention à nos fréquentations. Car la mauvaise compagnie comble la bonne mœurs. Il faut s'en méfier. Nous allons écouter encore une autre histoire racontée par un jeune homme. Il dit que c'est l'histoire d'un de ses amis. C'est l'histoire d'un ami à moi. Je vais l'appeler Junior. Ok, c'était une année, je suis allé à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Banjoun, pour passer les vacances chez mon oncle. Donc cette année-là, alors, comme je faisais la chorale, je fais la rencontre d'un ami, Junior. On sympathise là-bas et tout et tout. Bon, après les vacances, je reviens à Douala. Comme d'hab, tout continue. Puis une année, je me retrouve dans ma paroisse et je rencontre mon ami. Il me dit, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, non, c'est ma paroisse ici, c'est ici que je fais la chorale et tout et tout. On sympathise bien, je l'invite à venir à notre chorale. Et je dois t'avouer que c'était un gars très, 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 très talentueux. Il jouait au balafon, il jouait à la guitare, il jouait au piano. Bon, il était formidable partout, en fait, les instruments de musique. Il ne chantait pas bien, mais il était très, très fort aux instruments. Donc, c'est comme ça que je l'amène à la chorale. On fait connaissance avec les choristes et tout et tout. Et c'est comme ça, chaque année, quand il venait en vacances, il venait à la chorale. Alors, une année donc, il est venu. On a passé les vacances ensemble, puisqu'il était, il venait de passer son bac. Donc, il nous a dit cette année-là qu'il va se débrouiller à vendre pour aider ses parents à payer sa pension à l'université. Et ici à Douala, il était chez son grand frère. C'est comme ça que un jour, il ne vient pas à la chorale. Puis le lendemain, comme ça, son grand frère nous appelle. Il nous dit votre ami Junior est malade et on l'a transporté d'urgence à l'hôpital. On dit mais on était avec lui aux répétitions l'autre jour. Bon, après on l'a pas vu à la messe. Bon, on s'est un peu inquiété, mais on ne connaissait pas. Il dit non, il est malade, il est à l'hôpital.
on l'a amené d'urgence à l'hôpital à Quintigny. Mais on dit à ce point, on nous dit oui. Après, son grand frère nous appelle encore le lendemain. Il nous dit, il faut beaucoup prier pour votre ami parce qu'apparemment sa maladie n'est pas saine. À tous les moments, il nous demande seulement de prier, qu'il est en train de voir les gens qui sont en train de vouloir l'amener et tout et tout. Donc, voilà que nous aussi, à la chorale, on s'est un peu mis en prière, quoi. Et c'est comme ça, on ne sait pas trop comment ça s'est passé à l'hôpital. Et un matin, on nous appelle pour nous dire qu'il est décédé. Choc total à la chorale. Quelqu'un qui était très joyeux, qui était du coup comme ça, il est décédé. Nous, ça nous a traumatisés. C'était la première fois qu'on perdait un choriste. Et c'était vraiment pas facile. Du coup, son grand frère a dit que bon, le père, comme son père et sa mère sont au village, qu'il faut qu'eux voyagent avec le corps. Donc, comme il est mort aujourd'hui, le lendemain, son corps devait revenir à la maison juste pour que nous, les choristes, on organise notre propre veillée. On puisse dire un dernier au revoir à notre ami avant qu'on aille avec le corps. C'est comme ça qu'on a amené le corps à la maison. Je te dis, DMG, le gars était comme s'il dormait. Alors, les choristes pleuraient. Chacun disait, non, il n'est pas mort, il est encore là. Les prières, les trucs et tout et tout. Donc, un peu, tu peux un peu comprendre ce que la séparation peut faire, quoi. Tout le monde est en train de dire, non, il n'est pas mort, on va prier, on va se réveiller et tout et tout. Bon, à la chorale, étant le censeur de la chorale, j'ai donc... on a fait donc une collecte et on a chargé. Il y a une délégation de personnes qui devaient aller au village. Moi personnellement, je ne pouvais pas y aller, mais on a délégué deux personnes qui devaient aller au village. Et le compte rendu du village était très fort, puisque c'est là que l'histoire se complique, parce que notre ami qui était décédé était un très bon musicien et il avait même composé des musiques pour le chef supérieur au village, parce que lui-même n'était pas de Banjoun, il venait seulement fréquenter là-bas. Donc il avait composé des musiques, je pense qu'il devait être de ban soit comme ça. Donc le chef supérieur le connaissait et tout et tout. Quand son corps arrivé au village, le chef lui-même était là. Et il a demandé à ce qu'on vérifie pourquoi est-ce que l'enfant est mort, que ça faisait pas genre un ou deux mois comme ça qu'on avait enterré son frère, et que on devait vérifier pourquoi est-ce qu'il est mort. Et le chef a dit que celui qui est responsable de sa mort, si quelqu'un connaît qui c'était qu'avant qu'on aille regarder, c'est où il y a un monsieur qui est sorti de la foule. Il dit donc que bon, lui ce n'est pas de sa faute, que le père de notre ami en question était venu l'emprunter de l'argent, et que je ne sais pas où, c'était un truc comme 100 000 comme ça, quelque chose comme ça, et que depuis il ne fait que demander au père de remettre l'argent. Le père tourne, il ne fait que demander son argent. Tellement il a demandé son argent que il s'est fâché avec le papa et il lui a dit que si tu ne veux pas me remettre mon argent, tu verras ce qui va t'arriver. Et c'est comme ça que le monsieur, je ne sais pas trop ce que le monsieur allait faire, puis ça a pris son grand frère, ensuite ça a pris notre ami. Donc on a commencé, le chef supérieur du village aussi, il s'est fâché avec le papa, il lui a dit mais comment tu peux emprunter de l'argent à quelqu'un et il te demande, tu ne rembourses pas, au point où ça te coûte la vie de tes deux enfants pour une minable somme de 100 000 francs. Et on a demandé aussi au monsieur que comment est-ce que tu peux tuer deux personnes pour 100 000. Il dit qu'il avait prévenu le père que s'il ne rembourse pas son argent, le pire devait arriver. Et le père a dit qu'il s'en fout, qu'il veut, il fait ce qu'il veut, que lui il n'a pas l'argent. Donc c'est comme ça que malheureusement notre ami était parti.
Et ça nous a vraiment laissé un grand vide. Bon, moi, en fait, la morale, chacun peut tirer comme il veut. Mais moi, je pense que tout ce qu'on fait, on finit toujours par le payer tôt ou tard. Parce que voilà un parent qui a perdu deux enfants à cause d'une minable somme de 100 000 francs. Donc, déjà, moi, je suis marin et j'ai beaucoup d'autres histoires, surtout les histoires qui concernent l'eau, à vous raconter. C'est la première fois que j'agis et je pense que très souvent, je reviendrai pour vous donner des histoires. D'ici à là, portez-vous bien. Nous avons entendu tout ça. C'est vraiment grave, ce monde. Nous allons écouter une histoire hors du commun que une autre femme va nous raconter ici. C'est parti. Une histoire mystique d'une maman. L'histoire d'une maman qui est décédée il y a quelques mois aujourd'hui. Et l'histoire m'a été racontée par sa nièce qui a vécu les circonstances. Alors, ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Sa nièce se jugeait déjà grande. Voilà, elle me racontait que quand elle a eu son bac en couture, bac IH, il était parti chez sa tante. Sa tante habitait à cette époque à Yaoundé, au centre-ville. C'était une femme qui était jeune. Elle avait à peine 33 ans. Elle vivait dans une grosse villa avec plus de voitures. Elle n'était pas mariée. Elle avait un enfant qui vivait chez son père. Maintenant, elle était partie chez sa tante. Vous voyez, quand vous avez eu le bac, votre tante vous demande de venir passer quelques jours chez elle et puis vous faire des cadeaux avant que vous repartez fréquenter, puisqu'elle habitait Bafoussa. Elle va donc chez la tante passer quelques jours. Elle est partie le mercredi et le samedi, sa tante lui dit « Bon, on va aller en boîte de nuit, danser un peu et puis s'amuser, quoi. Tu as déjà 22 ans, donc tu es déjà assez grande pour ça. » Elles y vont. En sortant donc le soir, elle voit que sa tante toute parfumée, toute belle là et tout. Elle aussi, elle trouve que sa tante sent bon. Quand sa tante se va se démarrer la voiture, elle rentre dans la chambre de sa tante. Elle prend un parfum sur sa coiffeuse. Elle aspire chez elle. Elle sort aussi en courant et puis voilà les deux qui sont partis. Quand elles arrivent en boîte de nuit, elles sont courtisées, elles voient sa tante est courtisée, les hommes lui donnent de l'argent, les hommes l'approchent. « Oh ma chérie, tu es jolie » et tout. Elle est toute timide, elle a peur. Elle se réfugie à côté de sa tante, mais elle voit sa tante et tous les hommes avaient le regard sur elle. Les hommes lui donnaient de l'argent. « Oh ma chérie, tu es belle, est-ce que je peux avoir ton numéro ?» Elle dit « Non, est-ce que je peux m'entretenir et tout ?» Le gars, il sort l'argent. Parfois, ça allait jusqu'au million, il donne l'argent à la fille. Mais moi, je te donne tout ce que tu veux. Voilà, je te donne même 2 millions là. Je te donne mon numéro. Je veux que tu m'appelles. Je veux que tu sois ma femme. Je veux que... des hommes mariés, des bosses et tout ça. Donc, à un moment, sa tante disparaît de la salle. Elle vient s'asseoir et ne voit pas sa tante. Elle reste là 15 minutes, elle ne voit pas sa tante. Elle se lève donc pour aller la chercher. Donc, elle se dirige vers le parking, se disant que sa tante est sûrement allée vers la voiture. Quand elle arrive à côté de la voiture, elle ne voit pas sa tante. Mais elle se fait attaquer par des chiens. Donc, tous les chiens du coin sont sortis, commencer à la suivre. Les chiens menacés, ils aboyaient sur elle. Elle a commencé à courir dans tous les sens. Les chiens étaient vraiment en rage. Elle a couru jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans la boîte. Donc, ce sont les vigiles de la boîte qui l'ont sauvée de justesse. Ils ont chassé les chiens. Les chiens sont partis. Là, quand elle rentre, elle retourne à la table où elles étaient. Elle trouve sa tante. Elle dit « Mais attends, j'étais en train de te chercher. Je croyais que tu dansais. Je t'ai pas vu sur la piste de danse. » Elle raconte à sa tante, non, je suis sortie te chercher, puis les chiens ont failli me tuer. Les chiens ont failli m'attaquer, je n'ai pas compris pourquoi. Sa tante dit, quoi, des chiens ont failli t'attaquer? Mais comment ça? Elle raconte ce qui s'est passé. Là, sa tante lui demande, est-ce que tu as pris un de mes produits sur la table pour mettre sur toi? Elle dit, sa tante, oui, tata, j'ai pris un parfum sur ta table et puis j'ai aspergé sur moi. Quand tu sentais très bon, je voulais moi aussi sentir bon, je ne voulais pas marcher avec toi comme ça. Sa tante dit, mais il ne fallait pas. Ok, ce qu'on va faire, tu restes à l'intérieur. Je vais aller chercher la voiture. Je vais me garer juste devant la boîte et tu bondis vite dedans, on va partir. Donc, c'est ce qui a été fait. Elle a bondi dans la voiture tout le temps qu'elle voulait. Les chiens ne faisaient que suivre. Les chiens aboyaient. Les chiens aboyaient, ils grattaient la peinture. C'est comme ça qu'elle a fouillé. Elles ont fouillé, elles sont rentrées. Elle est arrivée au quartier. Elle dit, rentre vite dans le portail. Elle rentre, tu rentres dans la maison, tu t'enfermes. La fille rentre dans la maison à l'étage, elle s'enferme. La tante reste garée la voiture.
tranquillement et rentre. Elle lui dit de prendre un bain, de se laver avec beaucoup de sel. Elle se lave avec beaucoup de sel. Elle lui dit, tu ne vas pas sortir de la maison pendant au moins 5 jours, sinon les chiens vont te finir. C'est comme ça que les chiens aboyaient devant la maison. Les chiens faisaient qu'aboyer devant la maison. Elle ne comprenait pas. Après 5 jours, les chiens ne venaient plus. Maintenant, il était temps pour elle de partir. Sa tante lui dit, il ne faut jamais toucher les choses. Parce que ces trucs-là sont des produits qui étaient formulés spécialement pour moi. Je suis allée chez un grand maître spirituel à l'est là-bas. On a préparé ça spécialement pour moi. C'est pour l'attirance. Quand je mets ça, ça me permet d'avoir mon argent. Donc, c'était la source de la richesse de cette dame. Donc, quand elle mettait ses produits, elle sortait, tous les hommes qu'elle croisait lui donnaient de l'argent, le montant qu'elle veut. Mais la seule chose qu'elle avait à faire, c'est que quand elle met ces choses-là en journée, avant de rentrer, il faut qu'elle couche avec un homme. Peu importe la personne, elle doit avoir un rapport sexuel. Sinon, les chiens vont la déchiqueter sur la route du retour dès 18h. C'était ça, le deal. Donc, le jour où elles étaient en boîte, elle explique à sa nièce, le jour où j'étais en boîte avec toi et que tu m'as cherché, tu ne m'as pas vu, j'étais en train de coucher avec un monsieur que je ne connais même pas dans les toilettes. Sinon, si je sors là, les chiens vont me déchiqueter aussi. C'est ça la source de tout mon argent. Donc, elle expliquait comme ça à sa nièce. Elle a dit à sa nièce, je ne veux jamais révéler le secret. Donc, elle lui a donné 300 000. Elle a dit, voilà l'argent de ta pension et tout. Au lieu que tu ne dises rien, elle a dit, ne va rien dire à personne. Donc, c'était pour que sa nièce ne raconte pas le phénomène qu'elle avait vécu pour attirer l'attention de sa maman qui devait peut-être soupçonner quelque chose. La famille devait finir par être au courant. Donc, voilà l'histoire de cette maman qui a fini par mourir de VIH. Donc, à force d'utiliser ses produits, avoir de l'argent et coucher avec le premier inconnu avant 18h, avant la tombée de la nuit, sinon les chiens devaient la tuer. Donc, voilà. Et la morale, c'est quoi? Quand vous voyez les choses des gens, ne touchez pas. Ne touchez pas aux choses des gens. Parce que quand tu vas voir quelqu'un va mettre un petit truc sur une table, tu crois que c'est un bibelot, alors que peut-être c'est un truc de magie ou de sorcellerie qu'il a posé là. Et puis les femmes aussi avec la facilité. Franchement, il faut qu'on apprenne à laisser la facilité travailler. Bon, merci DMJ, à bientôt. Waouh, quelle histoire! Regardez, écoutez encore une autre histoire à côté d'une jeune femme. C'est parti. D'accord. Cette histoire concerne mon frère et mon père. En fait, je ne vais pas donner trop de détails, sinon les gens risquent de reconnaître cette histoire, en fait. Un beau jour alors, quand nous étions à la maison, là, le téléphone sonne et c'est mon père qui appelle, puisque on ne vit pas ensemble, en fait. C'est mon père qui appelle. Alors, on décroche le téléphone, on parle, et il demande de passer le téléphone à mon petit frère. Là, on passe le téléphone à mon petit frère. Il dit ceci à mon petit frère. Déjà, tu devrais dire aux membres de ta famille, donc à ta mère, à tes soeurs, que dorénavant, vous n'allez plus vivre ensemble. Déjà, mon petit frère était surpris. Il n'a pas répondu. Il a dit, tu as compris, mon petit frère n'a pas répondu. Il a demandé de passer le téléphone à ma mère. Il dit à ma mère que, bon, voilà, vous devez nettoyer la maison du village parce qu'on va venir là-bas célébrer quelque chose et tout. Donc, vous devez nettoyer la maison. Ma mère était surprise. Mais pourquoi nettoyer la maison? Puisque cette maison ne nous appartient plus. Puisqu'il avait pris les clés de la maison et il a donné les clés à une autre femme. Il a dit, fais seulement ce que je te demande. Voilà, ma mère a raccroché. Et le même matin, mon petit frère allait à l'école. Aux environs de 12h30, on nous ramène mon petit frère à la maison avec l'hémorragie. Et le sang coulait de ses narines. Ceux qui l'ont amené à la maison nous ont dit que pendant la récréation, il est tombé. Quand il est tombé, le sang a commencé à couler de ses narines. C'est là que tout a commencé, au fait. Là, il commence à nous raconter comment il fait des rêves. Quand il dort, il remarque qu'il est dans une maison avec des chaises autour d'une table. Il est là avec mon père là. Un jour, il se couche, il se réveille. Il nous dit que mon père est là avec des gens en train de vouloir lui préparer. Ils ont les marmites avec les assiettes, avec les tissus rouges là. Bon, nous étions dépassés. On dit, mais comment ça se fait? Ça, c'est impossible, en fait.
un moment, il est resté, il a commencé à parler, comme quand il était possédé, au fait. Il commence à parler, et en parlant, au fait, mon père qui parlait, il a dit ceci, vous croyez quoi? Je vais vous montrer. Donc, genre, il a commencé à tirer son sexe, il a dit, je vais couper tout ça. Vous croyez quoi? Vous êtes plus fort que l'équipe, moi, je vais couper. On a amené mon petit frère sur un voyant. L'enfant a encore commencé à parler. Il a parlé, il a dit, vous croyez que vous êtes plus fort que les qui? Même le voyant là, c'est mon ami. Il ne peut rien faire. On a tout fait, mais rien. On a tout fait, mais rien. Nous sommes quittés là-bas, on a encore changé. On a changé. Au fur et à mesure que le temps passait, nous on s'est mis en prière. On priait maintenant tout le temps. Donc matin, midi, soir, on priait. Quand je me suis en train de prier comme ça, j'ai dit à ma mère, mais maman, regarde ce que l'enfant a fait. Faut te mettre derrière lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ma mère a regardé. Elle a dit, non, mais tout va bien. Elle a dit, tout va bien. Après encore, j'ai dit, maman, regarde. Elle n'a pas regardé. Après, quand on s'est encore concentré, pas qu'en priant, on a fermé les yeux, en fait. Nous sommes tellement restés ce qu'on a entendu. L'enfant est tombé, il est carrément tombé. La façon qu'il est tombé, moi je savais pas que l'enfant allait encore vivre. Jusqu'aujourd'hui, il a encore les séquelles. Du fait qu'il était tombé là, il a encore ces séquelles-là. On a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? À l'église, bon, les gens fuyaient même parce que quand il restait comme ça, on fermait toujours la maison à clé parce qu'il allait fuir. Il allait quitter la maison, il allait fuir. Un jour, il se couche, il se réveille, il nous dit, maman, chaque jour quand je dors, et que dès que je ferme les yeux, je constate que je suis sur une route. J'avance. Et quand j'avance, tout derrière moi devient sombre. Ce n'est que ce qui est devant moi qui est clair, qui est la lumière. Au fur et à mesure que j'avance, derrière moi, c'est sombre. Mais ma mère dit, c'est quoi cette histoire? Un jour, il a dormi. Il refusait même de dormir. Maintenant, il refusait de dormir. On faisait maintenant les prières chaque jour. Un jour, il dit que quitter, voilà les serpents et tout. Mais nous, on ne voyait pas. C'est lui qui voyait tout ça. Un jour, nous sommes restés, un matin, il se lève, il est tellement faible, il n'arrive pas à marcher. Il dit, maman, aujourd'hui encore, j'ai marché jusqu'à enfin, j'ai terminé la route. Je suis entrée dans une maison et la maison est tellement fermée, donc on ne peut pas sortir. Quand il a dit ça, il est tombé. Je ne vais pas vous mentir qu'il est tombé, il était mort. Donc, mort, on ne sentait plus son pouce, le cœur ne battait plus, l'enfant était mort. Donc, je vais vous expliquer comment. Mort, vous voyez comme au village, quand quelqu'un meurt, on commence à pleurer pour appeler les gens. Il était mort, on a commencé à pleurer, on a appelé les gens, on pleurait, on disait, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Il a dit que l'enfant était mort. Donc, quand je lui regarde aujourd'hui, quand il regarde l'enfant là aujourd'hui, il dit seulement que Seigneur, je ne vais jamais que toi, tu n'as rien fait pour nous parce que tu as beaucoup fait. L'enfant là était mort. Donc, nous sommes restés comme ça là. Mon grand-père, il a dit que, mais c'est quoi cette histoire? Nous, on est en train de pleurer. Il a dit que, calmez-vous. Donc, comme il est un homme, il voulait montrer qu'il est fort, il ne va pas pleurer. On nous a indiqué un vieux papa du village qui soigne. On a amené l'enfant là-bas. Il a mis les produits sur l'enfant. Jusqu'à l'enfant s'est réveillé alors qu'il était mort. L'enfant était carrément mort. Le papa a dit que, après ce que je viens de faire, vous allez voir ce qui va se passer. Quand vous allez voir quelque chose, faut pas trop chercher à aller voir la personne. Sinon, ça va encore recommencer la maladie de l'enfant. Nous sommes restés. À un moment, on nous appelle que voilà mon père qui a fait l'accident. On dit que Dieu ne dort pas. On nous appelle, on dit que voilà, le voilà qui a fait l'accident. Aujourd'hui, il a un pied coupé. Son pied est coupé, donc... Aujourd'hui, ma elle est béquille. Il a un pied, l'autre est coupé. Quand ma mère, quand on a compris ça, on a dit que Seigneur, toi tu ne dors pas, tu n'oublies pas tes enfants. Donc on a sauvé mon petit frère comme ça. On allait lui prendre à la place. Même jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas. Lui, il cherche toujours les moyens de faire quelque chose. Je voudrais passer par là pour conseiller mes frères et sœurs de faire très très attention. Vous ne devez pas toujours dire que voilà mon père, voilà ma mère, voilà un membre de ma famille. Lui, il était le père, mais il a failli tuer. Il voulait tuer. Il a même tué, au fait. Donc, faites très attention. Le dehors n'est pas toujours ce qu'on pense. Le dehors est tellement gâté. Tout le monde est prêt à tout pour se sauver. Tout le monde est prêt à tout.
Que voilà, aujourd'hui, il a un pied. Alors que s'il faisait attention, c'est qu'il ne devait pas être comme ça. Donc faites très attention, ne faites pas trop confiance. Et surtout, il faut beaucoup prier. La prière, ça aide. Il faut beaucoup prier. Prier. Il faut beaucoup prier. En fait, la prière, ça aide. Pas trop confiance aux gens. Ne faites pas trop confiance aux gens. Vous avez entendu ça? Waouh! Vous allez écouter encore notre histoire, c'est parti. Je vais juste te raconter mon histoire que j'ai vécue il y a de cela 5 à 6 ans, quelque chose du genre. Je suis une femme mariée, mère de 2 enfants à l'époque, mais à l'heure actuelle j'ai 3. À l'époque je n'avais que 2 filles. À cette année-là, j'ai eu de sérieux problèmes. J'avais eu des problèmes avec mon mari. On s'est séparés un moment. J'ai décidé de partir d'abord. Je suis allée résider d'abord chez mes parents. Un bon moment. Donc, vous voyez pas avec les problèmes, le stress. J'ai eu à rencontrer un homme. Ben, on a collaboré, on a causé. Du fait, je ne savais pas que l'homme était du même quartier de maman, de mes parents en fait. C'est comme ça qu'on a commencé à être amis, de bons amis. Un jour, j'étais dans un quartier de la place avec une copine à moi. Nous étions en train de prendre un pot. On avait même déjà fini. Le monsieur m'appelle. Il me dit, bon, quand tu vois, aujourd'hui, je veux te voir, je veux qu'on parle. On a beaucoup à se dire. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je suis à tel endroit. Il me dit, ok. Moi-même, je suis aussi là, j'arrive. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il vient me retrouver. Bref, ma copine me dit, bon, moi, je vais devoir partir. J'ai dit, ok chérie, au téléphone. Elle me dit, d'accord, quand je vais arriver, je vais te faire signe. Et DMG, en sortant, j'avais dit où je partais. Donc, à la maison, là, ma mère était au marché parce qu'elle vendait. Ma maman vendait le mets de pistache et le bâton. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis infirmière. Ma grande sœur, elle est coiffeuse. Donc, j'avais dit à tout le monde où je partais. C'est comme ça que le monsieur m'a monté. C'est comme ça qu'il m'amène dans un portail. Je vois un portail noir. Dans un carrefour non loin de là où nous étions. Je lui demande, mais nous sommes en train de partir. Ouf. Il me dit, non, c'est rien. Je veux juste qu'on s'asseye là pour prendre un pot. Je dis, ok. Il n'y a pas de problème. Il me dit, c'est comment tu es pressé? Je dis, non, je n'ai pas de programme pour l'instant. Mon seul programme était de rentrer à la maison, me reposer. Il me dit, non, c'est juste pour un pot et puis on descend ensemble. Je dis, ok, il n'y a pas de quoi. Cependant, mes grandes soeurs le connaissaient bien. Ma mère, mon père, et connaissaient aussi sa femme. Sauf que moi, je ne savais rien sur lui. Parce que j'ai su tout sur lui après. Après que ceci s'est passé. C'est comme ça qu'on dépasse le bar. Parce que, étant dans le portail, il y avait un snack, il y avait un bar. Il ne me guide sur aucun des deux lieux. C'est là que je commence à trouver ça bizarre. Il lui dit, mais nous sommes en train de partir, on a dépassé. Il me dit qu'il y a un autre snack VIP par-dedans. J'ai dit, ok. C'est comme ça qu'on arrive là-bas dedans. Quand on arrive là-bas dedans, il ouvre une porte. DMG, je n'ai pas paniqué. Hein. Il ouvre la porte. Il me dit, entre. Je dis, bon, je suis après toi. C'est comme ça qu'on entre. Il y avait un tabouret. Il y avait un banc. Et le lit bien graissé.
et un grand miroir devant moi. DMG, j'ai commencé à prier dans le cœur, prier. J'avais des frissons, j'étais mal à l'aise. En fait, j'étais pas dans mon assiette. Je me sentais tellement mal à l'instant que je ne sais pas. C'est comme ça que le monsieur me demande de m'asseoir sur le lit. En fait, moi, j'avais pris place sur le tabouret. DMG, je reste comme ça là. Je me mets en souriant, en faisant semblant de sourire en fait. Mais dans mon cœur, je n'avais pas vraiment de paix. DMG, je regarde le lit. Je vois un truc creux qui est en train de bouger sur le lit. Comme le serpent. Bon, c'était en fait enfilé sous un gras. Le gras qu'on reste le lit avec là-dedans, il y avait ça en bas, ce serpent-là. Parce que coûte que vaille, c'était un serpent. C'est comme ça que le monsieur me dit non, couche-toi sur le lit. Je lui dis non, j'ai pas envie de me coucher. Il dit en fait assieds-toi. Je dis non, j'ai pas envie de m'asseoir. Il a insisté. Il a persisté. C'est comme ça que j'ai m'arrête le bras. Il me dit que je demande que tu t'asseyes sur ce lit. Je lui dis non, je peux pas m'asseoir parce que j'ai pas envie de m'asseoir sur le lit. Je suis à l'aise sur le tabouret et je ne sais même pas trop ce que je fais ici dedans. DMG, le type a commencé à trembler en m'arrêtant. Directement comme ça, voilà mon téléphone qui sonne. C'est ma grande sœur. Je décroche. Ma grande sœur me dit bonsoir. Je dis bonsoir. Elle dit que je ne sais pas pourquoi mon cœur bat très fort te concernant, mais je veux te voir ici maintenant. Je lui dis ok, je suis avec telle personne que tu connais comme ça, comme si à tel endroit. Ma grande sœur me dit en fait, ça ne me concerne pas, mais je veux te voir. J'ai comme l'impression que tu cours un danger. Je dis à ma grande sœur, ok. J'arrive. DMG, dès que j'ai raccroché le téléphone, le type a commencé à gronder. Pourquoi tu as dit à ta sœur que tu étais avec moi? Pourquoi il a fallu que tu lui dises que tu es avec moi? Le type a bavardé. Le type a parlé de tout et de rien. C'est comme ça qu'il lui dit, je peux rentrer, je peux sortir. Il me dit, sors. Sors, va-t'en, ma chambre, peut-être, peut-être. Je n'ai pas cherché à propager parce que moi, c'est pas mon style de trop me mettre à parler. Je suis restée tranquille, j'ai pris mon sac et je suis sortie. Dès que je suis arrivée à la maison, le type m'appelle. Il me dit que tu m'as fait un truc. Une femme ne m'a jamais fait ça de ma vie. Tu as un esprit qui me dépasse. Tu as un esprit fort. Je lui dis pardon. Il dit que tu crois beaucoup. Parce que tout dit vrai, je suis vraiment dans une famille très croyante, très chrétienne. Ma mère alors, ma mère prie beaucoup. Et elle prie beaucoup pour nous. C'est vrai qu'on prie, mais notre maman, elle prie plus. Donc, c'est peut-être ça. Ma grande sœur avait vraiment eu un pressentiment que quelque chose allait m'arriver et moi aussi. Donc le fait que j'ai localisé l'endroit où on était, j'ai dit à ma soeur, il dit que c'est avec lui que j'étais, donc dans sa tête il savait que si quelque chose tenait à m'arriver, il serait le premier concerné. Donc c'est un peu ça. Et c'est ce que je voulais dire aux jeunes filles, que le fait de partir trop dans des endroits bizarres avec les hommes, c'est pas bien. Parce que tu peux aller risquer ta vie, tu peux te retrouver folle, avoir peut-être un problème. Donc, je suis sortie là-bas, ma vie était saine et sauf. Je n'ai jamais eu un autre problème, rien, rien. J'allais super bien, je vais toujours super bien. Donc, c'est un peu ça. Merci, bonne soirée. Vous avez tout dit ça? Alors là, il y a des chasseurs d'ailleurs, des chasseurs d'étoiles, des chasseurs d'âmes. Faites attention! Nous allons écouter encore notre histoire. Pour compter mon histoire. En fait, je veux dire à certaines personnes que vraiment, quand on est enceinte, on fréquente pas les marabouts avec la grossesse. Parce que parfois, ces gens-là,
ils savent le potentiel de l'enfant qu'on a dans le ventre. Ils savent, en fait, ils voient. Ils savent. Il y a d'autres qui sont là pour faire du mal et d'autres là qui font pour faire du bien, d'autres pour faire du mal. Donc moi, ça c'est mon histoire. Moi, je porte la grossesse en 2016, ma deuxième grossesse. Ma belle-mère me dit que bon, comme tu vois, il faut que tu viennes, on te lave et tout, c'est pas bien. Quand une femme enceinte et qu'elle accouche encore, on la lave, c'est pas bien parce que les mauvais gens profitent souvent de cette occasion pour faire du mal. Bon, il faut noter que c'était ma deuxième grossesse. Ma première grossesse, je l'avais pris chez nous et bon, elle ne pouvait pas me demander un truc comme ça puisque j'étais chez nous. Bon, après ça, quand je me suis mariée, quand j'ai porté la deuxième grossesse, elle me dit non, il faut partir et on te lave et tout. Et ma première grossesse, ça s'était passé super bien. Je dis super bien, j'ai accouché un enfant de 3 kg 5 sans déchirure, sans complications, rien. C'est comme ça que quand elle me dit ça, bon, dans la naïveté et aussi que ma famille approuvait, ma famille n'a pas trouvé un inconvénient à ça. Bon, ils m'ont dit que tu peux partir, c'est aussi vrai et tout. Dans la naïveté, je suis partie. Parce que si c'était aujourd'hui, je ne serais jamais partie. Parce que jusqu'à ce jour, je suis toujours un peu comme traumatisée. Vraiment, ça a laissé quand même des séquelles dans ma vie. C'est comme ça, je me rends donc au village. On part chez un monsieur, un soi-disant traitant. On arrive là-bas. Il nous amène dans une, je vais appeler ça une forêt, il y avait les arbres et tout et tout. C'était presque comme une forêt. On arrive, de là, il y avait un tronc d'arbre qu'il avait coupé. Il a creusé ça comme un mortier, oui. L'arbre était toujours avec ses racines, donc il a un peu fait ça comme un seau. Il a mis des produits, des décoctions et tout. Il m'a demandé de me déshabiller. Je me déshabille. Il fait le lavage. Quand il finit, il fait le lavage. Il me donne et l'eau la santé, mon Dieu. Quand il finit de faire le lavage, il me dit bon, il me donne un produit que je dois boire. Quand j'ai bu, c'était tellement dégoûtant, désagréable que j'ai vomi. J'ai pas tout bu en fait. Après ça, il me remet une plume. Quand il me remet une plume, et je vais dire aux gens. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Quand tu passes chez un marabout, pour ceux qui fréquentent encore les marabouts, parce que vraiment, je suis quittée dans ça. Quand tu passes, on me disait, bon, dans les commentaires, on me disait tout, quand tu passes chez un marabout, s'il te donne des produits de bois, il te donne des remèdes que tu rentres. Mais s'il te donne un truc que rentre, tu mets peut-être sur la porte, rentre, tu gardes, mais ne prends pas. C'est, parfois, ils prennent ça, c'est après, c'est ça qui va te faire du mal. Bon. À l'époque, là, je n'avais pas encore compris cette histoire-là. Je n'avais vraiment pas encore compris. Il me remet une plume, une grande plume. Ce n'était pas pour la poule parce que c'était vraiment une grande plume. Quand je rentre avec, il me dit que je vais garder le jour de l'accouchement. Je vais récupérer la plume et je vais récupérer la plume et je pars accoucher. Ce qu'il me dit par la suite, il me dit, sache que tu ne vas pas accoucher, mais tu vas chier cet enfant parce que ça va très bien se passer. Tu vas juste chier cet enfant. Sur le coup, je suis contente parce que, faut dire vrai, ma première grossesse, ça m'avait traumatisée. En fait, les contractions, c'était très douloureux, les contractions. Moi, je suis contente. Je dis que bon, si c'est cette grossesse, je ne vais pas subir les contractions comme pour la première, ça m'arrange. Je rentre sur Douala avec la plume. Quand j'arrive sur Douala, bon, il faut dire aussi, moi, je priais. J'étais quand même, j'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie. Vraiment, vraiment très difficiles. Je me suis un peu lancée dans la prière et tout. Une idée m'est venue de mettre cette plume dans Psaume 92. C'était un psaume que je lisais beaucoup le psaume là. Chaque fois quand je voulais lire, je trouvais la plume. La plume, ça ne me disait rien. Bon, je disais, bon, c'est quelque chose de normal et tout. Ah, le jour que je vais aller accoucher, les contractions commencent la nuit. Ah, en fait, le matin, les 5 heures.
J'appelle la dame qui me suivait, elle me dit non, si ça fait comme ça, il faut venir. Je dis à mon mari qu'on part à l'hôpital. On a, bon, en partant, je dis s'il te plaît, prends la plume que j'ai laissée. Là, il prend la plume. Et il veut prendre la plume, il ne trouve plus la plume. Il me dit qu'il ne trouve pas. Il dit comment ça que tu ne trouves pas? Je pars, je fouille, je ne vois pas la plume. Bon, on a fouillé, 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 on n'a plus vu. C'est comme ça que j'ai dit à mon mari que partons. On arrive à l'hôpital, tout se passe bien. À un moment, je comprends, pouf, j'ai dit à mon mari, ah, enfin, la poche des os s'est percée. Je me lève du lit comme j'étais allongée. Il me demande que, mais quand tu parles de la poche des os, là, ce n'est que le sang que je vois. J'ai dit à mon mari que, mais quand tu comprends où là, tu comprends quoi dedans, poche des os, tu comprends quoi dedans. Comment tu peux me dire le sang? Puisque j'étais un peu faible, je ne voulais pas me baisser. Je me baisse, puisque j'étais debout, quand j'ai compris que ça s'est percé, je me suis levée pour pouvoir me garnir. Je me baisse, je trouve le sang, mon Dieu. Le sang était comme l'IMG, je peux dire. Donc ça traversait déjà, ça arrivait déjà à la porte. Je ne peux pas, comme un mètre et demi en fait, que ça avait déjà coulé. Mon mari panique, il appelle l'infirmière. L'infirmière arrive, elle me dit 18 tonnes de service, je n'ai jamais vu ça. Et quand je pense toujours à ça, je suis... Ah, je dis, le peuple périra faute de connaissances. Oui, parce que ce sont des choses qu'on doit comprendre. Quand on part sur le marabout, parfois, il donne avec une main, il récupère avec l'autre. C'est comme le diable. Quand le diable tend la main droite, il récupère avec la main gauche. Il ne faut pas se mentir. J'arrive, quand elle dit comme cela... Prise de panique parce que j'étais là dans ma tête que Seigneur garde-moi en vie. Je savais déjà que tout était perdu. Tout était perdu parce que ce saignement n'était pas normal. Quelqu'un de vivant ne peut pas saigner le genre là. C'était pas normal. D'un coup, tu saignes comme si on avait tranché un bœuf. Voilà. Malchance. Bon, je sais pas si ça veut dire malchance. Pour moi, on dit on n'opère pas dans la clinique où je suis. Il faut qu'on me déplace. Et à l'époque-là, beaucoup de gens connaissent l'histoire qui s'était passée avec ma démonique. C'était ça qui venait dans ma tête. J'ai dit, mais ça ne faisait que 2 semaines que cette histoire était passée. Donc, je reste dans ma tête. Ça me taraudait l'esprit. J'ai dit, Seigneur, maintiens-moi en vie. C'était tout ça qui venait dans ma tête. Seigneur, maintiens-moi en vie. Parce que j'ai perdu ma mère à la... Bon, quand j'étais petite à 1 an, j'ai pas connu je n'ai pas connu ma mère. Bon, je disais qu'il ne faudrait pas que ça arrive à mon fils que j'ai laissé à la maison. Qu'il perde sa mère à 3 ans de vie. Donc, j'avais une niaque. J'avais cette niaque de vivre parce que je disais que si je perds un peu la main, je vais mourir. C'était trop grave. La dame que j'étais dans sa clinique, là, elle me dit il faut qu'on aille. On est dans une clinique là qu'on opère. On prend le taxi. Et ce jour, quand c'est pas ton jour vraiment, Dieu parfois il libère les choses, il fait des choses vraiment bien. On devait traverser le carrefour de Côte. Tout le monde connaît ce qui se passe avec les embouteillages dans le Côte. À l'époque là, c'était la débondance totale avec les embouteillages. Et cette dame là disait que Seigneur, si on pouvait même prendre l'hélicoptère, parce que ma vie comptait, était qu'à un bout, tenait qu'à un bout de fil. Il ne fallait pas perdre les secondes. Elle me faisait que prier, qu'il faut que tout se passe bien. On traverse d'abord, ce qui me attire encore mon attention, on traverse de côté à 17h, l'heure de pointe, sans embouteillage. J'ai dit même pas, on n'a pas fait un arrêt pour dire que non, on va s'arrêter, la voiture s'est passée. On traverse jusqu'à ce qu'on arrive où on opérait. Dès qu'on arrive, et entre-temps, je sentais comme les boules. Les boules qui... Je disais à la dame là que je suis en train d'accoucher. Elle me tenait la tête fort pour que je ne regarde pas en bas. Quand elle me tenait la tête comme ça, quand je parle, je tremble, je ne sais pas. Elle me tenait la tête comme ça. Je force pour regarder, elle tient ma tête, elle me dit ne regarde pas. Je dis que je suis en train d'accoucher, elle me dit tu n'accouches pas. Parce que je sentais quelque chose pousser comme l'enfant. Mais en réalité, ce n'était pas l'enfant. C'était du sang qui venait maintenant en cailloux, des gros cailloux. Quand on sort de la voiture, je force parce que je dis mais
Tout le long du trajet, je sentais comme quelque chose qui poussait. Qu'est-ce qui poussait dans mes fesses? Je t'ai gagné avec des serviettes et des garnitures. Quand je me retourne, je vois la voiture du monsieur remplie de sang. Ça avait même taché la dame qui était assise à côté de moi. Le monsieur a dit que qu'on lui donne seulement l'argent pour qu'il lave sa voiture que à la pression, c'est à la totale, un truc comme ça. On lui a remis 5 000 parce que c'était pas le cas qu'on devait seulement essuyer. Non, c'était grave. J'arrive, je m'affaiblissais déjà un peu. J'arrive donc à l'hôpital. Tout était déjà en place. Je ne savais même pas qu'on devait m'opérer, rien. Tout était en place. Le médecin, le chirurgien, tout, l'anesthésiste, tout. J'arrive, ils se mettent à opérer. Quand ils opèrent, un espace de... J'avais tellement perdu du sang que même le médecin n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Personne n'en revenait. La quantité de sang que j'avais perdu. Quand je marchais, c'était derrière moi comme quelqu'un qu'on a seulement... On a seulement étranglé en train de tirer son corps pour échapper à la mort. Donc, quand on opère, quand on fend le ventre, on retire l'enfant. On remet l'enfant à mon mari. Ma soeur remarque que la salle d'opération est pleine de sang. Elle se met à crier. Elle ne criait pas parce qu'on a remis l'enfant mort. Elle criait parce qu'elle était sûre que après l'enfant mort, c'est mon corps qui devait sortir parce que je saignais tellement. Sur le coup, le médecin a dit bon. Et il remarquait que c'était mon utérus qui saignait. Il a dit à mon mari que ici, on n'a pas le choix. Pour qu'elle ait la vie sauvée, il faut qu'on retire son utérus. Mon mari a dit il n'y a pas de souci. Pourvu que sa femme sorte en santé. C'est comme ça que je. Il veut retirer l'utérus. Il se préparer à retirer l'utérus. La dame avec qui je venais, une fervente croyante, parce que elle, c'est l'église et encore l'église, parce que elle a tellement, elle adore l'église. Elle dit au médecin que non, je ne peux pas. Je saurais comment quand elle va se réveiller, je vais l'expliquer qu'on a retiré son utérus. Laisse-moi, je fais une petite prière. Si la main de quelqu'un est dessus, c'est qui est sûr, si je sais un Dieu vivant, ça va s'arrêter. Je suis en train de dire ça, je suis en train de raconter ce qui s'est passé dans le bloc parce que après mon réveil, le médecin qui m'a opéré est venu me demander si je crois en Dieu. J'ai dit oui. Il me dit, ma fille, tu as été sauvée pas par nos mains, mais par la main du Seigneur. Parce que nous, on savait de toutes les façons que l'enfant t'a perdu et l'enfant est décédé et c'est qu'elle va te perdre. On n'avait plus espoir parce que ce sang, on ne savait plus quoi faire pour que ça s'arrête. On ne savait plus quoi en faire. Donc, il me dit vraiment, tu es une miraculeuse. Et jusqu'aujourd'hui, quand je revis tout ce qui s'était passé, je dis, je viens de loin parce que c'était comme un film. Tout s'est passé en un laps de temps. C'est comme ça, la dame met la main, elle se met à prier et prie. Quand elle dit au médecin que bon, vas-y. Le médecin, quand il s'apprête à couper, le sang s'arrête comme si on avait fermé le robinet. C'est ce que le médecin me raconte. Il dit depuis qu'il exerce dans sa carrière, il n'a jamais vu ça. Comme un miracle, le sang se ferme, tout devient propre. Il n'y a plus de saignement, rien. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, on n'a pas retiré mon utérus. Il m'a recousu et je suis allée dans la salle d'éveil. Quand je me rends compte, je dis, mais comment le charlatan là m'avait dit que je devais chier l'enfant? Non seulement, je n'ai pas eu un accouchement facile comme il m'avait dit, et même l'enfant, je ne suis pas rentrée avec l'enfant. J'ai été choquée. J'ai été amèrement choquée parce que, après ça, par la grâce de Dieu, j'ai pu accoucher mes enfants sans problème. Sans partir chez un moindre charlatan. Et ça s'est bien passé. Donc, pour dire à mes sœurs que vraiment, tout ce que, quand tu es enceinte, quand tu pars chez un marabout, il y a des marabouts mauvais. Ils voient un potentiel que tu as dans ton ventre. Il fait ses micmacs, c'est comme ça. Il sait ce qui va se passer. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu cette plume. DMG, je n'ai jamais plus vu cette plume.
Quand je suis rentrée de l'hôpital, je vous jure, j'ai fouillé la maison de fond en comble. J'ai saccagé le bas du tout parce que j'étais déterminée à retrouver cette médicament. Mais comment quelqu'un peut me dire que... Moi, je trouve que c'était un esprit. Quand les contractions ont commencé, l'esprit s'est levé. Moi, c'est ce que je me dis. Et que si peut-être pas... Je ne priais même pas le Seigneur. Je suis sûre que c'est cette plume m'a emporté avec l'enfant. Je suis très sûre de moi. Que s'il y avait, que si je n'avais pas cette croyance en Dieu, il n'y avait pas les gens autour de moi qui priaient, qui croyaient en Dieu, je suis sûre que je mourrais. Donc ça, c'est ma petite histoire, pardon. Que celle qui va comprendre, comprenne. C'est celle qui ne veut pas comprendre vraiment, tant mieux. Qu'elle continue à fréquenter les marabouts, c'est tant mieux. Waouh, vous avez entendu ça? Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que quand le diable te promet de te faire du bien, c'est qu'il y a le mal qui va te faire à côté. Mais il ne te le dira pas. Il ne te le dira pas. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi on vous dit, évitez d'aller suivre les agents du diable comme les marabouts. Nous allons écouter encore une autre femme qui a des choses à nous dire. Écoutons son histoire. Alors moi, je vais raconter mon histoire. Je suis une jeune fille, je suis née en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ma grand-mère avait donc 6 filles. Parmi les 6, si on a une qui est décédée, donc il en restait 5. La plus grande, elle est venue en Europe. Très vite, elle s'est débrouillée, elle arrive en Europe, elle a commencé à vivre sa vie. Ensuite, ses deux dernières petites sœurs aussi sont venues en Europe. Elles ont vécu leur vie, etc. Bref. Et donc, il restait 2 sœurs à Abidjan, donc ma mère et sa petite sœur. Ma mère, avant moi, elle a accouché d'un enfant mort-né. Ça a été très difficile pour elle. Ensuite, elle est tombée enceinte de moi en même temps que sa sœur. Sauf que sa sœur, elle a accouché plus tôt. Enfin, sa petite sœur qui l'a su, elle a accouché un peu plus tôt. Elle a accouché au début d'année. Moi, ma mère, elle m'a accouché en été. Donc, ce qui veut dire que quand moi je suis arrivée, j'étais donc l'enfant arc-en-ciel que tout le monde attendait. C'était vraiment beaucoup, beaucoup d'amour de ce qu'on me raconte tous les jours. C'était vraiment beaucoup d'amour. J'avais plein de surnoms et tout. Ce qui a fait que, je vais pas dire que la naissance de mon cousin a été bâclée, mais ils étaient plus centrés sur ma naissance. Donc, je pense qu'il y a eu, quelque chose qui s'est gâté chez ma tante. Voilà. Donc à partir de là, quelques années après, ma mère elle est venue en Europe, elle m'a laissée en Afrique à 3 ans chez ma grand-mère. C'est vrai que mon père et elle, ils étaient toujours ensemble, mais elle préférait me laisser chez ma grand-mère parce qu'elle avait plus, elle avait plus confiance, on sait les hommes. Et surtout que mon père, il a eu des enfants pendant leur relation et tout, enfin un enfant. Et donc moi, je suis restée chez ma grand-mère avec ma tante en question, qui était aussi chez ma mamie, celle qui suivait ma mère, la petite sœur de ma maman. On était ensemble chez ma mamie, donc ce qui veut dire que ma grand-mère, elle m'aimait beaucoup, elle m'a toujours aimée. J'avais beaucoup d'amour de sa part. C'est vrai que c'est une amie qui essayait de me corriger parce que voilà, chez les musulmans, on file droit dès l'âge de d'enfant. On s'est déjà cuisiné, donc ma grand-mère était beaucoup axée sur mon éducation, etc. Maintenant, ma tante, elle était censée rester auprès de ma grand-mère parce que vu que toutes ses filles maintenant étaient en Europe, elle était censée rester auprès de ma grand-mère, s'occuper d'elle. Et voilà, quand l'occasion allait se présenter, peut-être qu'elle allait venir passer des vacances en France. C'est ce qui était convenu avec la famille. Donc moi, quand j'étais là-bas, j'étais très, 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 je vais pas mentir, j'étais très intelligente à l'école. Et j'avais beaucoup d'énergie. J'étais cet enfant qui parlait avec que des grandes personnes, que des personnes âgées. J'aimais beaucoup discuter. Enfin, c'est ce que je retiens et c'est ce qu'on m'a raconté. Voilà. Donc, je discutais beaucoup avec les personnes âgées parce que j'étais tout le temps avec ma grand-mère, ce qui faisait que je côtoyais ses copines, etc. Donc, quand ma tante, elle était dans la famille, elle avait beaucoup de mal avec moi. Je vais dire que j'ai été maltraitée quelque part. Et comme je disais, j'étais très intelligente à l'école et elle était beaucoup dans l'aspect maraboutage, etc., etc. Donc, elle avait un marabout qui était situé dans notre quartier. Et moi, à chaque fois, elle me prenait pour aller voir ce marabout en tant que je l'accompagne, tu vois, en tant qu'elle vient avec quelqu'un, mais c'était toujours avec moi. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des années, je perdais mon intelligence. Je ne sais pas comment je vais raconter ça, mais voilà, c'est inexplicable. En tout cas, je perdais beaucoup d'intelligence parce qu'elle me...
elle me punissait à la place de son fils. Son fils, il était dernier de la classe et moi première de la classe. Donc elle me punissait à la place de son fils, dans le sens où elle me laissait pas étudier, elle me faisait porter des tables super lourdes pour que son fils bosse là-dessus. Et pendant ce temps, moi, je suis assise au coin, j'ai le droit de rien. Pendant les vacances, j'étais sur mon petit book, j'avais mon endroit où je vais pas bouger. Bref, c'était beaucoup de souffrance pour moi. Et ajouté à cela aussi, je tombais énormément malade. Je tombais tout le temps malade, chaque mois. Pour vraiment pas exagérer, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisée à l'hôpital, mais les médecins ne trouvaient pas, ils ne trouvaient rien dans mon sang, ils ne trouvaient rien dans mon corps, etc. Voilà, c'était très très dur. J'étais une petite fille plume, un enfant plume, ce qui veut dire que je prenais pas de poids, c'était pas facile. Ensuite, moi quand j'accompagnais ma tante chez les marabouts, ses intentions qu'elle demandait aux marabouts, c'était lui faire en sorte que ma grande sœur, la plus grande qui est en Europe, même voilà, que ça soit moi sa préférée, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer de l'argent, que voilà, juste elle soit axée sur moi, elle prenne ma défense devant tout ce qui va se passer en famille. Et c'était vraiment exactement ce qui se passait et tout le monde savait ça. Voilà, tout le monde le savait dans la famille, que c'était pas normal. Et vu qu'on savait qu'elle avait recours au marabout, on savait d'où venait tout ça. Voilà. Donc à la maison, ma tante, c'était vu que c'était elle la plus grande maintenant, celle qui est venue en France la première, c'est elle qui décidait de tout. Donc elle était très souvent en colère contre tout le monde, mais cette tante en question était sa préférée, tu vois. Elle était vraiment sa préférée. Donc moi je suis restée là-bas très longtemps, jusqu'à mes 14 ans. Et entre-temps, ma tante, elle est tombée enceinte. Voilà, elle est tombée enceinte. Et moi, comme je disais, j'étais que avec elle. Elle avait envoyé son fils chez son père, donc j'étais avec elle, avec ma grand-mère. Quand elle est tombée enceinte, elle est venue accoucher chez ma grand-mère parce qu'elle s'était remariée. Voilà, elle s'était remariée, j'ai oublié de signifier ça. Elle s'était remariée et elle est tombée enceinte de son nouveau mari. Sauf que quand elle est tombée enceinte de son nouveau mari, elle a accouché et l'enfant était malade jusqu'à ses 2 ans. L'enfant ne s'asseyait pas. Parce que déjà, il faut savoir que quand elle s'est mariée, les gens disaient, parce que chez nous, les musulmans, ouais, on attend le bébé du mariage. Donc derrière ça, c'était une pression pour elle. Donc elle est encore allée revoir ses marabouts pour voilà, accélérer le processus. Et donc elle est tombée enceinte et l'enfant, elle a accouché. L'enfant était malade jusqu'à ses 2 ans. La petite, elle s'asseyait pas. Elle était tout le temps couchée. Elle faisait des signes de serpent. Je sais pas comment je vais te dire, mais elle sortait la langue. Elle était par contre superbe belle. Elle était magnifique. Elle avait des cheveux tout bouclé comme si elle était pull, parce que son papa a un petit côté pull. Elle était magnifique, très très belle. Mais voilà, elle avait cet handicap, elle pleurait, ce qui faisait que sa mère, elle avait plus de vie, sauf que cette petite, elle m'aimait tellement. Elle ne parlait pas, hein. Elle ne s'asseyait pas, elle ne marchait pas. Elle était juste couchée, on la portait simplement. Et cette petite, elle m'aimait tellement, parce que dis-toi qu'elle pleurait tout le temps. Et quand moi je la prenais, elle était plutôt calme. Et sa mère, elle aimait pas ça en fait. Parce que vu qu'elle, elle ne m'aimait pas, elle aimait pas ça. Et c'est resté jusqu'à 2 ans d'âge pour la petite. Et elle est allée voir à l'hôpital. Il y avait rien. Elle est allée voir les marabouts. Ils n'ont pu rien faire parce que voilà. Elle est allée voir à l'église, pareil, que ce soit les prières de délivrance, elle était là-bas tous les soirs. Et voilà, elle avait complètement changé de vie en fait, elle essayait de trouver une solution. Et c'était très dur. Et il y a quelqu'un qui est venu un jour à la maison, parenté à ma grand-mère, et lui a dit, tu sais, la nuit avant de te coucher, verse un peu de cendre devant la porte. Tu verses tu sais quand tu fais le feu de charbon ou bled, il y a de la cendre qui descend. Et bien tu verses ça devant la porte la nuit avant de dormir et tu verras le matin ce qui va se passer. Et c'est ce qu'on a fait. Et le matin, quand on s'est réveillé, il y avait des traces comme si un serpent était passé par là. Voilà. Donc quand ma grand-mère a vu ça, elle a dit que c'était pas normal et ce qu'il fallait faire. Parce que ma grand-mère, elle a beaucoup, elle déteste tout ce qui est maraboutage, etc. Donc ma grand-mère lui a dit, va au village. Dans mon village, c'est un village de dozo. Je pense que les Ivoiriens ici, ils savent c'est quoi les dozo. Les dozo, c'est des gens qui font beaucoup de médicaments, des trucs traditionnels. C'est des gens, souvent, on tire sur eux. Là-bas, elles ne rentrent pas. Leur animal de compagnie, c'est des hyènes. Pour te dire à quel point ils sont ancrés dans les médicaments et tout. Donc, ma tante, elle est partie là-bas un jour. Il pleuvait pas ce jour-là. Enfin, c'était en été, tout était bien. Et elle est partie là-bas ce jour-là avec sa fille. Et elle est revenue le soir. Et le soir, avant d'arriver, quand on l'a vu venir, il pleuvait énormément. Il y avait une grande pluie. On la voit venir sur la pluie.
sans l'enfant, elle était toute seule, elle était trempée. Elle était trempée. Elle rentre à la maison, ma grand-mère lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et là, elle commence à nous raconter que, en fait, l'enfant qu'elle avait, c'était pas un enfant, c'était un serpent. Et quand les dozos l'ont mis dans un cercle, ils ont fait une sorte de rite, la petite elle s'est transformée en serpent, elle est rentrée dans la forêt. Et du coup, ils lui ont dit de ne pas se retourner pour regarder, mais elle n'a pas pu s'empêcher de le faire. Donc après ça, ils l'ont lavé pour ne plus que ça réapparaisse dans sa vie. Et suite à cela, elle est tombée enceinte d'un autre enfant. Elle a perdu l'enfant à la naissance aussi. Et après ça, je pense qu'elle s'était repentie. D'après ce que j'ai entendu, elle s'est repentie. Et de là, elle a eu une autre fille. Voilà. L'histoire, elle est très longue, elle ne s'arrête pas là et je vais raconter la suite plus tard. Mais voilà, la morale de l'histoire, c'est que déjà, de un, le karma, il s'occupe. Il s'occupe des personnes qui ne prennent pas soin des enfants des autres. Ça veut dire que quelqu'un te confie son enfant et toi, tu, au lieu de prendre soin de l'enfant, au contraire, tu maltraites l'enfant, tu envoies l'esprit de cet enfant dans les mauvais esprits, par exemple chez les marabouts, chez les féticheurs et tout. Et tout te retombe là-dessus. Un jour ou l'autre, tu vas le payer et tu vas le payer sur tes enfants. Parce que crois-moi, jusqu'à aujourd'hui, moi, quand j'étais en terminale, son fils, il était encore au CM2. Tu vois, et j'ai eu la chance de me retrouver en France aujourd'hui auprès de ma maman. C'est vrai que ma vie, il y a encore certains trucs qui sont très durs et à chaque fois que je rencontre des difficultés qui n'ont vraiment pas lieu d'exister dans ma vie, j'ai ce subconscient qui me rappelle les fois où j'ai été chez les marabouts. Tu vois, les fois où j'ai été chez les marabouts accompagner ma tante, j'ai ce subconscient qui me dit toujours ton esprit a été attaché quelque part, ton esprit a été attaché quelque part. Et j'en ai parlé à ma mère, mais ma mère, c'est pas une personne de foi, c'est plutôt une jeune fille qui est encore dans la vie. Donc quand je lui dis ça, elle me dit tu sais, moi j'ai pas fait de mal à l'enfant des gens, donc si quelqu'un fait du mal à mon enfant, ça va se retourner contre la personne. Et voilà, c'est ce qui s'est passé pour ma tante. Voilà, derrière ça, il y a d'autres histoires, mais c'était juste pour prévenir les gens. Ne laissez surtout pas vos enfants chez qui que ce soit. Moi, aujourd'hui, j'ai un enfant et mon fils, il est super actif, il est intelligent et j'ai vraiment du mal à le laisser avec d'autres personnes par rapport à ce qui m'est arrivé dans la vie. Voilà, j'aimerais vous souhaiter bonne journée et bonne continuation pour les autres histoires. Waouh, c'est extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'en ai écouté une autre histoire venant d'une jeune femme, célibataire. Ce sont les histoires que mon mari me raconte souvent. Donc, dans ce village-là, il y avait un bon matin comme ça, les villageois se réveillent et trouvent une jeune fille pendue sur l'arbre des vœux. Vous savez, ici, par exemple, la tradition, bon, ici déjà la Turquie, c'est un pays musulman, majoritairement musulmans, puis il y a la religion orthodoxe, la religion juive et la religion il y a la spiritualité aussi turque et donc qui vient vraiment de leur tradition aussi. Donc, vous imaginez un peu, vous voyez par exemple les chamans, il y a le chamanisme, donc les chamans qui dansent avec les trucs, les plumes et tout ça. Un peu comme les chamans indiens et tout ça, c'est exactement comme ça. Donc, il y a ça aussi. Et il y a aussi ceux qui invoquent d'autres créatures qui les aident dans certaines choses positives ou négatives. Et ça s'entend partout. C'est pour cette raison que dans les rues, vous allez parfois voir peut-être des dames qui sont en train de boire leur café. Et puis entre elles ont une peut-être, ou bien une tante, ou bien une maman et tout ça qui sait lire. Elles appellent ça généralement, vulgairement, lire dans la tasse de café. Donc, il y a par exemple des femmes qui aiment faire ça, un peu comme certaines femmes qui disent que je sais lire dans les cartes ou bien je sais lire dans la paume de main, là, oui. Donc, elles prennent la tasse de... Après que la personne ait bu tout ce qu'il y a dans sa tasse de café, elles regardent et elles peuvent dire, OK, bon, voilà ce qui se passe dans ta vie et tout ça. Donc, ça vient de leur religion, de leur culture, de leur spiritualité à eux. Donc, qu'est-ce qui se passe alors un beau matin? Les villageois se lèvent et voient une fille pendue à l'arbre des vœux. L'arbre des vœux, c'est un arbre, il y a ça dans certaines régions ici. Apparemment, ce sont des arbres sacrés centenaires sur lesquels les jeunes filles, généralement, vont attacher. Généralement, il faut porter un ruban pendant un certain temps. Je ne sais plus très bien, j'ai pas demandé, les présumes demander pendant quelle période est-ce qu'il faut qu'elles attachent le ruban dans leurs cheveux. Et elles vont l'attacher à une branche de l'arbre et elles font un vœu. Généralement, elles font le vœu d'avoir
un très bon mari. Généralement, nos ancêtres leur donnaient un bon mari, un homme patient, aimant. Elles veulent avoir des enfants qui soient en santé, qui écoutent leurs parents et qui les honorent. Parce que l'honneur, ici, est aussi très, très, très important. Franchement, ici, il tue pour l'honneur. Donc, l'honneur est vraiment très important. C'est même plus important que l'argent, l'honneur. Donc, des enfants qui vont leur... qui vont leur apporter beaucoup d'honneur. Elle veut une belle mère, une belle famille qui ne soit pas problématique et tout ça généralement. Donc on trouve la fille pendue là. Et généralement quand on trouve une fille pendue là, c'est que quelque chose de très grave s'est passé. Alors, on prend la fille, on enterre, les mamans appellent et tout, on fait les prières et tout. Ils demandent dans tout le village... Qui a fait quelque chose contre ces filles? Pourquoi est-ce qu'elle s'est pendue? Dites avant que les têtes ne tombent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quelque chose contre cette fille? Dites-le. Parce qu'il y a des prières généralement qu'ils font souvent dans ces genres de cas. Ils disent, dites-le, venez vous signaler, personne ne se signale. Alors, ils font alors les prières et tout ça. Et pendant qu'ils font les prières, apparemment, une des personnes a été possédée par un esprit ou quelque chose. Et quand une personne est possédée par un esprit, ça veut dire que la fille, avant de mourir, elle a fait un vœu. Elle a dit des trucs sur l'arbre là, avant de sauter la vie. Et selon la tradition, il y a des esprits qui vivent dans cet arbre. Et quand une fille est gravement blessée, trahie et tout ça, elle va sous cet arbre généralement. Parfois, ça dépend, elle peut verser un peu de sang et tout ça. Vous savez que le sang, c'est pour ouvrir une porte entre l'au-delà et puis... Donc, elle verse le sang. Mais celle-là, c'était pas... Ça veut dire que ça, c'était vraiment... Ce qui lui est arrivé était très grave. Et avant de mourir, le monsieur qui avait été possédé dit... Elle a été violée par un garçon du village. Et il a menacé que si elle le disait, il allait dire que non, c'est elle qui courait après lui et tout ça. Et je vous rappelle bien que ici c'est un pays... Bon, peut-être pas dans les grandes villes comme par exemple Istanbul, je suis... Bon, je ne peux pas dire peut-être pas, hein, parce que franchement, ici, la couture de l'hymen est quelque chose de normal. Pour ceux qui ne comprennent pas, la couture de l'hymen, c'est refaire la virginité, donc aller chirurgicalement refermer. Ça fait que peut-être qu'il y a souvent des étudiantes qui viennent en ville faire les études et tout ça. Certaines viennent des familles un peu plus free. On te voit avec ton petit ami et tout ça, patati patata. Mais on ne va jamais le présenter à la famille étendue et tout ça. Au cas où quelque chose se passe, ça n'est pas bon, ok, tu vas vers quelqu'un d'autre et tout ça. Mais si c'est... Donc, pour qu'on ne dise pas plutôt que ta fille, elle a eu... Bien sûr, ce n'est pas normal parce que, bon, les hommes ne sont pas vierges ici aussi. Mais, bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Ce qui fait alors que le monsieur explique... Le monsieur, alors, qui est possédé, dit alors que... avec la voix de la fille, elle accuse, elle dit que quelqu'un l'a violée et tout. Il faut que la personne vienne demander pardon aux parents. Et quand tu demandes pardon aux parents, tu dois payer aussi sa dot. Tu vas l'épouser dans l'au-delà. Donc, tu l'épouses, tu pèses. Donc, pour que l'honneur revienne à sa famille, il faut payer sa dot et il faut l'épouser. Et il faudra qu'il fasse aussi le veuvage. Personne ne parle. L'imam insiste, il demande et tout et tout. Il dit ok. Et apparemment, il y a un certain temps que l'on donne. Si ce temps-là passe, c'est fini. On ne peut plus rien faire pour la personne. Pas de prière, rien. Un beau jour, on se rend compte que le fils du conseiller du village, tu vois, est-il beau gosse, il est le riche du village, l'un des riches, parce qu'il y a aussi le maire et patata. Il est là, il commence de temps en temps, on le voit crier, courir dans la rue, laisse-moi tranquille, et des trucs comme ça. Alors les gens regardent un peu. Les parents, alors bien sûr, avec beaucoup de honte, prennent le gars, vont le mettre dans un truc psychiatre, dans une autre ville. Ils vont dans une autre ville pour prendre soin de lui parce que, bien sûr, tout le village regarde. Parce que, après la prière, bien sûr, les voisins commencent à se regarder entre eux. Qui est-ce que ça va attraper? Donc, quand on voit le fils du conseiller faire ça, ses parents rapidement l'éloignent de la zone, on l'amène au centre de la commune. On prend soin de lui dans un hôpital là, en chuchotant et patata. Mais bon, il y a quelqu'un qui travaille aussi là-bas, qui après vient informer alors les gens du village qu'en fait, il avait violé la fille. C'est lui qui avait violé la fille. Et les parents ne veulent pas. Et apparemment, il a aussi violé beaucoup d'autres filles. Les autres n'ont pas, elles ont caché. Parce que, comme je vous dis bien,
Ici, c'est un peu comme, dans les villages, en fait, même si on n'accuse pas la victime, le violeur peut, par exemple, sa famille peut commencer à après qu'ils aient été dévoilés, peuvent commencer à false news. How do you say false news? Ils vont aller raconter des trucs sur la fille. Ah non, elle a fait ceci, elle aime tourner, elle n'était même pas. En tout cas, j'ai couché avec elle, mais elle n'était pas vierge et tout et tout. Vous comprenez? Donc, ils vont sa réputation, ils vont saluer, détruire sa réputation. La famille fera tout pour détruire sa réputation. Et en plus, elle n'a même plus besoin de le faire parce que c'est sûr que. Aucun homme dans le village ne va l'épouser. Et même si quelqu'un veut l'épouser, il y aura toujours un bienveillant qui viendra chuchoter les choses dans les oreilles de la famille. Quand ils viendront faire des tests, demander est-ce que la fille est bien, c'est une bonne fille et tout, il y aura toujours un bienveillant qui viendra raconter des conneries sur elle. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et mon mari dit que bon. Il ne sait pas trop ce qui est arrivé au garçon, mais que généralement dans ces cas-là où les parents rapidement avaient la queue entre les jambes vont présenter les excuses, on va faire les prières et puis après épouser la fille et tout. Mais le fait c'est que lui, ils ont refusé. Il avait refusé, le temps qui avait été donné était passé. Donc apparemment, il devient fou tout le temps, ou il meurt, il se tue. Ok, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Et en ce qui concerne, qu'est-ce que nous allons apprendre de cette histoire-là, je ne sais pas trop. Faites attention au mal que vous faites aux autres parce qu'ils peuvent vous rattraper. Vous avez entendu ça? Abonne à ton d'heure. Salut. Alors, mon histoire, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Et c'est une histoire que je vais passer message à travers mes chers frères et sœurs. Peu importe la religion, mais la prière est importante. L'histoire, c'est que il m'est arrivé quelque chose et il fallait que je prie pour demander à Dieu de me venir en aide. Puis j'attendais une réponse. Je priais pendant une semaine. Je me réveillais à 2h du matin. Pour faire des prières de nuit, faire des invocations. Pendant une semaine, je faisais que prier et jeûner aussi pour demander à Dieu qu'il me donne une réponse favorable. Puis, dans mes invocations, je précise que si ce que je souhaite et le meilleur pour moi, qu'Allah me donne ce que je veux. Qu'Allah me donne une réponse favorable. Mais si jamais ce que je souhaite n'est pas mieux pour moi, j'accepte la décision d'Allah. Et après, quelques jours après, j'ai une réponse, c'était négatif. Après cette réponse négative, ça ne m'a pas empêché de continuer à prier. J'ai continué à prier. Au contraire, je priais dans la nuit. Je remerciais Dieu. J'ai dit à Dieu que, Alhamdulillah, je te remercie de la réponse que tu m'as donnée. Je ne sais pas pourquoi tu m'as donné une telle réponse. Mais si tu y as choisi de me donner cette réponse, c'est que c'est le mieux pour moi. Car en tant que musulman, je sais que toute invocation est acceptée quand tu mets tout ton cœur et que tu crois à ce que tu fais. Donc pour moi, j'accepte. Je dis Alhamdulillah, Dieu merci. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais accepter ainsi. Je vais continuer à prier pour que ça change. Et je vous dis ça, 3 jours après, je suis parti au travail. Parce que je travaille dans le milieu aéroportuaire. Je suis parti au travail à 2h du matin. Je suis arrivé à l'aéroport à 3h. Je suis allé à la salle de pause. J'étais le premier arrivé dans mon lieu de travail.
je suis parti à la salle de pause en train de dormir. Et puis vers 3h30, j'ai entendu une explosion. Je pensais que c'était quelqu'un qui a frappé la porte au fort qui m'a réveillé. Et puis je me suis endormi, je me suis dit non, c'est quelqu'un sûrement qui a frappé la porte là-bas. Je vais encore dormir parce que vu que c'est du matin, c'est difficile de se réveiller. Je me suis encore endormi et jusqu'à 3h50, je commençais à avoir des imaginations. Imaginations comme quoi il y a le feu, je me pose des questions. Si jamais il y a le feu, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Comment je fais ça? Je commençais à imaginer des choses que moi-même je n'imaginais pas, genre je ne voyais pas. Mais c'est juste une imagination. Après, j'ai dit, Starfurlar, enlève tout ça dans ta tête, rien ne va se passer. Jusqu'à 4 heures pile, personne n'est arrivé. Je me suis réveillé, je vais aller au bureau de mes managers pour voir si vraiment il y a quelqu'un qui est arrivé. En ouvrant la porte, je vois du fumée. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette fumée? Je me pose tant de questions. Et puis je commence à paniquer. Je vois que le fumée, ça commence à propager. Je ne vois pas d'où vient la fumée. Je suis sorti pour voir si je peux trouver quelqu'un en sécurité dehors, au premier étage. Je n'ai vu personne. Donc j'ai pris l'initiative, j'ai appelé les pompiers directement. Les pompiers sont arrivés, le feu a commencé à propager un petit peu, mais le manager il est arrivé aussi, et les agents sont arrivés. J'ai expliqué la situation, et là, les pompiers me disent, la fumée commence à sortir de là où tu étais endormi, à la salle. Et moi j'ai dit, non, c'est pas possible, parce que j'étais endormi là. Ça, c'est pas possible que ça soit de là. Vous regardez de l'autre côté. Ils ont regardé tout de l'autre côté, rien. Ils ont revenu encore, ils ont dit non. La fumée vient de sortir de là où tu t'endormis, dans la salle de pause. Et là, on a ouvert la porte. On a vu que c'est vrai. La fumée, genre le feu a commencé depuis en haut, à côté de là où j'étais endormi. Et ça commence de là à descendre un petit peu, à monter, à propager le feu. Heureusement que les pompiers sont arrivés à l'heure. Donc, tout le monde était choqué, me disait, ouais, mais tu étais là, tu n'as rien vu. Je dis, non, j'ai rien vu. Et moi, j'étais endormi, je me suis réveillé, j'ai rien vu du tout. C'est quand je suis sorti que j'ai vu qu'il y a les fumées. Voilà, c'est l'histoire. C'est pour dire que c'est en ce moment-là que j'ai compris, que j'ai commencé à comprendre que les invocations que j'ai demandées, les prières que j'ai faites pour demander à Allah de me donner une réponse favorable, la réponse que j'ai eue, qui était négative, c'était négatif pour moi, mais c'était encore plus positif pour moi. Ce qui signifie que parfois, le bien peut se transformer en mal et le mal peut se transformer en bien. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une réponse négative, mais Dieu m'a échappé Dieu m'a échappé de la pire. Du pire, en fait. Voilà, désolé. Dieu m'a fait échapper du pire. Parce que si j'étais là, en train de dormir, si je n'avais pas pensé, si je n'avais pas des imaginations bizarres du feu, je n'aurais jamais su qu'il y avait du feu et je serais déjà endormi et ça sera fini pour moi. Ça sera fini pour moi parce que les agents et les managers sont arrivés à 4h50 et le feu a commencé à 3h30. Ce qui signifie que une heure de quart, si j'étais là tout seul, ça aurait été fini pour moi. Mais waouh, quelle histoire!
Dites-moi ce que vous en pensez.